Je souffre quand je lui dis je l'aime et que c'est pas réciproque. Mais l'amour n'attend rien en retour. Si tu souffres, peut-être que c'était pas de l'amour. Tu t'es déjà posé cette question? Mais de la possession, mon précieux. Et de l'attachement. C'est à moi, ma femme, mon mari. Oui. Mais l'amour, ce n'est pas un objet. Tu veux posséder? Ben tu n'auras rien. Matérialiste, ben. Corrompu. Je souffre. Je n'ai pas de copine. J'en ai marre d'être seul. Tout le temps, je suis seul. Je suis seul au cinéma. Seul au lit. Seul après le travail. Seul au dîner. Je suis un gars sérieux, et je veux me trouver une fille bien, tu vois. Pas une pute. Et si tu arrêtais de vouloir faire comme tout le monde? Une femme n'est pas un objet contre ta solitude. Petite bite. Et si tu ne peux pas vivre seule, tu seras jamais capable d'aimer. Pour aimer, il faut déjà aimer la solitude. L'autre n'est pas un putain de médicament contre ta douleur, ok? Cesse de désirer par conformisme, par fuite devant la solitude. Parce qu'aimer, c'est déjà se suffire à soi-même. Matérialiste, bah. Corrompu. Je souffre, j'ai envie de vivre dans mon art et mes parents et mon professeur pensent que c'est mieux que je fasse une école de commerce. Parce que tu vois, un artiste, ça gagne pas grand-chose. Et dans cette société, j'ai pas envie de galérer, quoi. Pendant que tu demandes à tes parents de choisir ta copine, ta sexualité, qui doit être, qui ne doit pas être ton ami. Mais dis-moi, elle vaut quoi ta vie? Un rien. T'es qu'un pion. On vit ou on ne vit pas. Faut choisir. Et si t'as peur, fais comme tout le monde. Et trop boulot dodo. Oui. Et trop boulot dodo. Oui. C'est rassurant. Bouge ton cul de là, corrompu. Matérialiste, va. Corrompu. Je souffre. Je ressens réellement la misère du monde. Et je vois toute l'indifférence des gens. Et ça me fond le cœur. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression que la vie est un enfer. Je ne sais pas quoi faire. Ben ne fais rien. Il n'y a rien à faire. C'est aux gens de mettre fin à leur névrose, à leur désir d'être, de volonté de puissance. Mais toi qui es sensible, toi qui vois la vérité, quel est le sens que toi, tu veux donner à ta vie? Comment tu veux vivre malgré tout ça? Si le monde entier manque d'amour et de considération et de compassion. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Danser. Hein? Chanter. Chain of food. Créer. Rire. Pleurer. Oh, c'est trop bon. Apprendre. Oui. Et dans toute cette beauté, personne ne sera insensible à cette beauté. Il y a la petite beauté. Cette lumière. Oui. Amour et passion. Oui. Tu souffres? Bien. C'est la vie. Mais la souffrance trouve sa racine dans le désir. Regarde. Lorsque tu désires, tu crées un mouvement. Point A à un point B. Le point A, c'est le chercheur. Le point B, c'est le trésor, le désir. Sur cette route, il y a des obstacles. Ces obstacles, si tu t'arrêtes, tu souffres, n'est-ce pas? Alors, que faire? Relever le défi ou s'arrêter? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue? Alors, qu'est-ce que je fais? Dis-le-moi. Je dis merde à l'autorité et je relève le défi. Alors, le point B et le point A ne forment plus qu'un, pas vrai? Après la souffrance, vient la passion. Oui! La passion du X.